Vous êtes bien sur votre bande FM Radioactive 101.9, l'émission Africa 22 Sport, l'émission qui fait le lien entre l'Afrique et la Bretagne, a rediffusé ce samedi de 11h à midi. Si la technique nous permet, on va mettre le zoom sportif vers le Mans pour ne pas dire dans le 72. On a le correspondant sportif de Africa 22 Sport. Pour ne pas dire le parrain de l'émission de Africa 22 Sport et le futur meneur d'allure de Marathon de Paris 2020. Comment va Mohamed Sebouti ? Va très bien, ça va très très bien et j'espère que vous de votre côté ça va très bien et que ça roule. J'aime bien la voix du mal, on a la chance également aussi. Il y a Nicolas Bio qui est sportivement, physiquement sur le plateau aussi. Salut Yao, salut tout le monde. Bonjour Nicolas, ça va ? Bonjour Mohamed, ça va ? Ça va, impeccable. Bon, Momo, je sais quel genre de réaction tu vas avoir concernant l'événement. La date, elle est officielle maintenant, hein, puisque au lieu de dimanche 4 avril, là maintenant, ça serait dimanche le 18 octobre. Alors, je voulais avoir ta réaction à chaud. Toi qui es vraiment dans le côté épidermique de 42 km 195, c'est quoi ce chamboulement du 4 avril au 18 octobre? Bah, tout simplement, ce qu'il faut bien comprendre, il y a un protocole. Il ne faut pas oublier qu'on organise 2024 les Jeux Olympiques. Et tout ça, c'est lié puisque les Jeux Olympiques, c'est le marathon. Le marathon va se courir à la capitale. Ça va se courir pratiquement sur le parcours du... vraiment sur le parcours, parce qu'ils vont juste modifier peut-être l'arrivée, le départ du marathon de Paris. Et tout ça fait que, voilà, ils sont obligés, d'une façon ou d'une autre, sur le protocole, de l'organiser dans la même année, pas le décaler l'année prochaine. Tu vois, c'est compliqué, parce que y a un rapport à faire au niveau de la Fédération internationale, par rapport à l'enjeu, puis ils sont obligés aussi d'ajuster jusqu'à 2024. Après, moi, la chose qui me gêne un peu, c'est que, voilà, le protocole, il n'est pas assez clair sur le virus du coronavirus. Disons que c'est pas assez clair dans le sens que on nous dit que faut éviter d'être dans des endroits fermés où il y a beaucoup beaucoup de monde, beaucoup d'effectifs. Mais là, quand on regarde bien, nous, c'est plus un sport. On court, on est actif, on va faire une activité et puis on va pas, je veux dire, vraiment, et en plein air. Ce qui fait que le virus, même si tu es au contact des gens, de la masse, avec le monde qu'il y aura, mais tout le monde va être dans l'effort et en train de courir en plein air, je pense pas que, voilà, franchement, par rapport au protocole du virus, je pense pas qu'on soit vraiment ennuyé là-dessus. Alors c'est un peu ça qui me dérange par rapport à quand on le décale alors qu'on aura pu le maintenir. Quoi. Et Mohamed Sebouti, le consultant sportif de Africa 22 Sport et depuis le Mans, il est 18h27. Alors, on va faire un petit rétrospectif du week-end dernier. Moi, je pense les gens qui ont eu leur programme, qui ont vraiment anticipé sur leur projet semi-marathon et à la dernière minute, ils sont partis prendre leur dossier. On dit non, on est désolé que vous ne pouvez pas faire votre marathon. C'est un blocage psychologique. Ils vont être déçus sportivement concernant cette discipline. Attends, quelqu'un a dit gouverner, c'est prévoir. Non, comment on peut prendre les gens comme ça en otage et puis leur dire à la dernière minute? Bah, c'est vrai qu'un coureur aujourd'hui lambda, ça va être très compliqué psychologique, parce que faut qu'il arrive à réaliser, et puis c'est pas Momo Sebouti, c'est pas un athlète de niveau où nous on a quand même, voilà, on peut s'orienter sur notre distance, on peut s'organiser, on peut en refaire un autre, voilà. Alors qu'un coureur lambda aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très très complexe parce que il y a la préparation. Voilà. C'est pas simple. C'est son projet à vie, ça. Voilà. Hein, c'est son projet à l'avance. Voilà, il le prépare à l'avance. Deuxièmement, là, il faut qu'il se mette psychologiquement dans la préparation, ce qui n'est pas évident. 3 mois, c'est difficile. Il faut qu'il rentre dans un contexte de protocole où il va jouer sur l'alimentation, il va essayer de jouer sur beaucoup de paramètres psychologiques et physiologiques. Et il y a tout cet aspect-là. Et après, il y a l'aspect financier où il a investi sur son dossard. Le déplacement, s'il doit s'héberger, il va prendre un hôtel. C'est tout ce contexte-là, c'est que il y a un coût, ça va lui coûter un budget, un coût, plus la psychologie, plus la préparation. Moi, je voudrais bien savoir, est-ce qu'on a tenu compte de ça avant de prendre des mesures comme ils ont pris. C'est surtout ça.
Et justement, on a la chance d'avoir quelques responsables au niveau de l'organisation du semi-marathon dans le département, puisque c'est vraiment en voie de perdition, les semi-marathons. Non, Nicolas, toi qui as le troisième œil au niveau de 21 km, comment tu peux... Ta réaction à chaud concernant ce qui se passe là, c'est, il faut toujours se mettre dans la peau de l'autre, non? Parce que ce que dit Momo là, pour un athlète lambda, vraiment. Oui. Moi j'irais même un peu plus loin, parce que si on fait la rétrospective de toute la fin de saison ou le début de saison, ça dépend comment on se situe sur la course à pied, faut prendre le point de départ qui est quand même l'annulation des championnats de France de cross. Là, on parle effectivement d'athlètes plus populaires qui se sont entraînés et tout, mais aussi... toujours dû à ce virus-là, c'est vraiment... J'entendais des dirigeants, des hauts dirigeants de l'athlétisme, alors pas forcément au sein même de la fédération, mais dans les comités départementaux, qui disaient, on a été un petit peu pris en otage, on a été un petit peu les dindons de la farce, parce que effectivement, quand on analyse un petit peu sérieusement la situation... On se dit qu'on nous empêche de courir le semi-marathon à 17h l'après-midi. On annule le samedi, alors que dès le jeudi, le salon était ouvert. 80% des dossards avaient été pris. On annule, alors que si le virus il avait dû se propager, il se serait propagé. Hier soir, on voit les images, hier soir, de Saint-Étienne. C'est ça, je voulais rebondir justement. Voilà, on voit que le stade est envahi, on voit que les gens se serrent dans les bras. C'est des très belles images. Attends, il y a Momo qui nous écoute depuis le Mans. Alors, c'est deux poids, deux mesures. Lorsqu'on interdit, tout. Lorsqu'on autorise, c'est quoi? C'est deux poids, deux mesures. Donc, les gens sont égarés. Donc, ta réaction, toi qui va être le futur meneur d'allure du 18 octobre, je ne sais pas, on parle au conditionnel, puisque maintenant c'est officiel, 18 octobre, le dimanche. Alors, comment tu peux expliquer, on autorise une autre discipline et on dit non, vous n'avez pas le droit de faire le semi, et puis donc, on est un peu perdu en tant que quelqu'un qui est passionné de sport, non? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une politique qui est mise en place, c'est que certaines personnes politiques qui veulent se décharger de ça, ils ne veulent pas prendre les responsabilités. Il y a cet aspect-là. Et l'autre aspect, il y a le business qui rentre en compte. Voilà. Aujourd'hui, si vous êtes influent, vous avez de la personnalité et que vous avez les moyens, voilà, tu peux faire basculer des choses. C'est-à-dire que tu peux maintenir un événement et alors que le protocole dit il faut l'arrêter parce qu'il y a tel virus, tel problème... telle sécurité, voilà. Le problème, il est là. Mais c'est vrai que je rebondis ce qu'il a dit Nicolas, c'est vrai, il a raison. À partir du moment où tu veux arrêter et tu veux rentrer vraiment dans le protocole et respecter le protocole, dans ces cas-là, tu n'attends pas le dernier jour et puis tu ne laisses pas les gens arriver. Parce que quand tu prends un village où il y a des manifestations, c'est quand même du monde. Si tu voyais les passages, moi qui étais depuis jeudi à dimanche, les passages qu'il y avait, c'était nombreux. Là, si tu prends les mesures par rapport à l'effectif et le nombre de personnes et tu dis voilà, parce que c'est le virus devrait arriver dans ce contexte-là, c'est pas logique. Tu vois, t'attends pas les derniers jours pour arrêter quoi que ce soit. Quoi. Après, je veux juste dire. C'est pour ça. Alors que moi, ce que je veux dire, c'est que, et ça, j'ai des sources sûres, ça fait 10 jours qu'ils le savent. Voilà, je voulais aussi rebondir là-dessus, moi aussi. Voilà. Alors, ça fait comme les championnats de France. Ouais. On le sait depuis 3 semaines. Le semi-marathon, on le savait depuis 4 jours que il fallait le truc, et on attend le vendredi pour l'arrêter. C'est pour cela que je voulais voir la réaction à chaud. Voilà. Alors, Jean-Paul. C'est ça qui me dérange, moi. Tu vois, on va voir la réaction d'un des responsables aussi sportifs dans le département, aussi dans le Côte d'Amour. Alors, Jean-Paul, lorsqu'on entend des réactions vives, parce que le dénominateur commun qui nous réunit sportivement ici, c'est la passion. Il faut se mettre dans la peau de la personne. La personne qui a. C'est son doudou, c'est son projet de l'année. Il se retrouve à quelques heures, on dit non, je suis désolé, vous ne pouvez pas faire. Comment on peut interpréter ça, Jean-Paul? Effectivement, j'ai du mal à l'interpréter aussi, parce que je ne comprends pas trop certaines décisions qui ont été prises, notamment au niveau du marathon, des semi-marathons. Ça se passe quand même en extérieur, donc au niveau du football, les rencontres vont avoir lieu à huis clos. Voilà, on a eu l'information concernant le PSG Dortmund, donc on reste à confirmer. Non, c'est officiel. On va suivre ça. Ouais, donc en même temps, et ces deux poids, deux mesures, c'est des sujets comme ça. Et même, et Coralie, tu vois qui est
on a fait le marathon de Paris ensemble il y a 5 ans. Et là, tu as fait Budapest. Lorsqu'on entend des choses comme ça, c'est quoi ta réaction en tant que marathonienne? Bah là, depuis les derniers jours, en fait, j'arrive plus du tout à suivre. Je ne comprends pas trop les décisions. Je ne les approuve pas forcément. On voit des belles images, effectivement, de foot. On voit des semi-marathons, des marathons reportés, annulés. En Bretagne, il y a des trails qui sont annulés ce week-end. On nous prend pour qui? Voilà, c'est le côté du concept du sport, c'est ça. C'est le côté là qui fait un peu mal. Et même, il y a également aussi...